Bye. C'est une ligne qui traverse un mur. Le mur, c'est l'interdit. Le mur, c'est aussi la sécurité. Entrer dans un mur, c'est essayer de se protéger. Et c'est très curieux, on vit en insécurité, mais à l'intérieur de soi. J'ai voulu, à travers cette ligne rouge, exprimer tout simplement cette idée qui est derrière la sécurité, l'assurance d'être chez soi ou n'être pas chez soi. On ouvre sa porte, on entre chez soi, on entre dans sa chambre, on ferme la porte derrière soi, on entre dans son lit, on met la couverture sur la tête et on dort. Donc la sécurité, c'est un peu l'insécurité aussi. C'est une grande question aujourd'hui. C'est quoi être un terroriste en fait? La grande question, c'est ça. Suis-je un terroriste ou c'est l'autre qui est un terroriste? Voilà. Donc la ligne rouge, c'est la ligne que je ne peux pas traverser en fait. Ma propre ligne, c'est ma ligne intérieure. Oui, c'est un peu ça. Et raconter une histoire pareille, c'est essayer de raconter l'histoire de l'insécurité par une poésie, du trait, de la ligne, de la trace, etc., etc. C'est un travail aussi inspiré sur la trace urbaine, l'extérieur, ce qu'on voit, ce qu'on observe, ce qu'on traverse. C'est les émotions qu'on ne peut pas expliquer. C'est très lyrique. C'est toujours très difficile de répondre à une question qui tourne autour de l'art. La définition de l'art, c'est quoi? Voilà. Je pense que, pour ce qui me concerne, j'essaie de ne pas donner une définition parce qu'en fait, nous sommes toujours dans le développement, la marche, la quête de quelque chose. Définir, c'est s'arrêter. Qu'est-ce que c'est que l'art? Je ne sais pas. C'est une façon de dire que j'ai encore l'envie d'aller un peu plus loin. J'ai encore envie de chercher des choses. Peut-être il y en a qui ont la définition de l'art. C'est déjà très bien. Ils sont arrivés. Moi, je suis encore à l'école. Je me pose encore la question. Qu'est-ce que c'est là? Je ne sais pas. Je ne sais pas.